Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Firewatch Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Hey Henry, oui! À quoi tu ressembles? Pourquoi cette question? Parce que je suis horrible. Tu connais Raleigh Finger, le lanceur des Aces? Non, je connais pas. Je suis son portrait craché. Attends, c'est le type avec une moustache de Dali, genre dans les années 70, mon père l'adorait. Et ouais, c'est lui. La moustache, jumelles pour s'en rendre compte. Est-ce que t'attends la voix de femme ou pas quand je parle? Et quand tu ne mets pas de petite culotte, qu'est-ce qui se passe? C'est pas de mon genre, des vêtements. Il y a un sweatshirt que j'aime bien, j'ai une bonne veste fermier. Oh, j'adore ce style. Tu sais, c'est une veste marron. Je vois. Maintenant que parle-moi ton visage, je te regarde dans le bar, qu'est-ce que je vois? Je vais adorer ma moustache fine et des cicatrices. J'ai une longue cicatrice qui va de l'œil jusqu'en bas de la joue. Et il se trouve que j'ai un fait pour les moustaches fines. Plus belles sont fines, plus vestes sont plaies. Une cicatrice horrible, c'est parfait. Je veux savoir comment sont tes yeux. Et pourquoi faire? Je te dessine, il faut que je cherche. Quoi? Ça te dérange? Ne réponds pas, je vais le faire de toute façon. Bon. Tes yeux racontent. Ils sont heureux, mes yeux. Un regard enjoué. C'est Julia qui t'a dit ça? Écoute, je sais pas décrire mes yeux. Joyeux, ça me va, c'est bien. Ok, c'est bon, merci Henry. Tu as ce que tu as besoin? Absolument. Est-ce que tu entendais la voix de la femme enseignant avec les petits ou les ados principalement? Je pense que la voix de la femme, on ne l'entendait pas, hein? On l'entend. Et lorsque je vais sur la femme, on dirait que ça sonne pas très bien. Planche de bois. Faudrait que je travaille sur la voix de la femme comme ça. Hein? C'est courageux et pas facile les ados. Ma grand-mère était prof pour les ados, puis elle est descendue chez les tout-petits. Non, c'est pas évident. C'était pas évident, mais j'aimais bien en lien. J'aimais ça. Mais là, ça fait comme 5 ans que j'ai pas enseigné. Je me demande si je serai encore... la capacité de revenir. Je
Je viens de finir de barricader. Je fais quoi maintenant? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? À ton avis, c'est quoi la suite? Je sais pas, c'est toi qui me confie des tâches. La suite, c'est que tu vas devoir dans cette pièce jusqu'au 1er septembre et m'appeler dès que tu aperçois de la fumée. Ok, ok. Préviens-moi quand tu seras prêt à payer psychologue à cette tâche et je te confierai. Imagine, ouais, t'as raison. Prêt à travailler. Ok, je suis prêt à empêcher la destruction totale de cette forêt nationale, comme je me suis engagé, à long terme. Je suis content d'apprendre que tu as bien réfléchi. Bien sûr. On t'a équipé de fauteuils bien confortables. À vrai dire, il n'est pas si confortable que ça. Il est en bois, sans rebourrage. D'ailleurs, je crois que je me suis enfoncé une écharpe dans la cuisse ce matin. Quoi qu'il en soit, assieds-toi, le destin de la forêt repose sur tes épaules. Jour 9. Allez, jour 9. Salut Henry, passe une... Ils étaient censés retrouver une tante à Cody. Ce sont les campeuses de la semaine dernière. Tu es certainement la dernière personne à les avoir vues. Ish. Je veux bien qu'on m'interroge. Tu peux dire qui a le droit que je serais ravi de répondre à leurs questions. Écoute, ça ne sera pas un problème. Si on les retrouve morts, peut-être. Si je ne disais rien, l'histoire d'éviter les malentendus. Ouais, oublie. C'est ce que je pensais. Ok, Henry, merci. Profite. Bon, ils sont où, ces filles-là? Jour 15, ça saute vite. Henry, debout. Henry, debout. Regarde pas bien. S'entends-les, décroche la radio. Salut, mon gros poussin. Hey, c'est Julien, c'est sa femme. Hi, Jules. Hey, Julia. Oh, t'as l'air fatigué. Je le suis. Tout se passe bien pour toi? Oui, je vais bien, et toi? Julia? Quoi? Oh, désolé, Henri. Oui, je vais bien. C'est bien. Bon, je vais te laisser te rendormir. Ok, Jules. Ok, Julia. Delilah a l'air gentille. Oui, elle l'est. Au revoir, mon chéri. Jour 33. Sa femme, elle vivait lui aux États-Unis avant, mais là, elle est partie vivre à nouveau. Elle est partie vivre à nouveau en Australie parce qu'elle a la démence. Elle fait de l'Alzheimer, elle a juste une quarantaine d'années. C'est trop difficile de monter les ravitaillements jusqu'à nos postes. Personnellement, je me fais livrer. Et tu fais comment? C'est l'avantage d'avoir 10 ans de service au compteur. Tu
crapahute sous les canards, et moi je fais des mots croisés, la vie est ravitaillant là-bas. Je tiens pas à faire d'autres commandes. Ça s'est dit, il y a sûrement plein de bonnes choses là-dedans. Haricots, pruneaux, viande séchée. Ma soeur mange 6 pruneaux par jour, tu sais. 6 là-dessus, elle est vraiment très à cheval. Elle serait parfaite pour ce boulot s'il ne lui fallait pas des brouettes. Bon, je vais où? En fait, il y a environ 2 semaines, tu m'as appelé au beau milieu de la nuit. Tu m'as emmené dans ton sommeil et tout ce que j'ai réussi à comprendre, c'est un prénom, Julia. J'ai trouvé ça vraiment adorable. Je voulais te réveiller, mais je me suis dit que tu rêvais peut-être d'une conversation agréable et que je risquais de tout gâcher. J'espère que tu es en paix avec toi-même en ce qui la concerne. Je le suis. Bien. Tu m'envoies ravi. Bon, quelques mois avant de prendre ce boulot, j'étais avec un mec, Xavier, un homme incroyable, intentionné et vraiment sexy. Il était joyeux à Casper. Ça fait presque 5 ans qu'on s'entend ensemble. Je travaillais avec l'école de leadership en milieu sauvage de Wyoming et ça m'obsédait totalement. Je voulais tellement devenir monitrice et j'étais persuadé que j'allais épouser Javier dès que l'envie m'en prendrait. Cette école, c'était aussi un bon prétexte pour quitter la ville, boire du whisky dans la montagne et me lâcher un peu. Mais c'est là que le frère de Javier est mort dans un accident de travail à Gillette. Et pour les raisons qui m'échappent, je suis rentré à la maison. Javier a dit que c'était pas grave, qu'il irait à l'enterrement et s'occuperait de sa mère. Ce serait plus facile. À son retour, il m'a quitté. Je suis venu ici et j'ai rencontré ma soeur qui avait baissé notre voisine. J'ai menti à ce sujet pendant plus de 10 ans. Pour une raison que j'ignore, je voulais que tu saches la vérité. Tu m'as dit tellement de choses sur toi que je me tenais à t'en parler, tu vois. Moi aussi, j'ai déconné. Bon. Marchez vers le nord pour récupérer les provisions. Le nord se parle là. Et les provisions sont vers l'avant. Donc, tantôt, qu'est-ce qu'on parlait? T'es toujours là, Miss Jessie? T'appelais Jessie, moi, trop. Oui, quand t'es... Non, c'est pas ça. Yes, sir. Bon. Fait là, à un moment donné, il y avait des feux d'artifice dès la première journée. Puis elle a été voir qu'est-ce qui se passait, puis elle est rendue là. Il s'est aperçu qu'il y a 2 filles tout nues qui étaient en train de nager. Ça fait qu'il leur a dit que c'était interdit de faire des feux et encore moins des feux d'artifice. Fait là, ils se sont enragés, puis ils se sont sauvés ailleurs. Fait qu'il s'est aperçu qu'il avait fait un autre feu. Il est retourné ailleurs. Puis il est retourné, puis il a vu que la tente était déchirée. Il y avait un message qui disait... Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une corde. Et qu'est-ce que ça disait? Ça disait, on sait que c'est toi qui es venu défaire notre tente. Arrête de nous suivre. Et on va appeler la police, etc. Mais c'était pas lui. Mais lui, la première journée, quand il revenait sur son chemin après d'avoir averti les filles, il a rencontré un randonneur puis le randonneur s'est sauvé. Et là, tout d'un coup, on voit que les deux filles ont disparu. Ils ont été portés disparus. Hey,
Ce jeu-là pogne une tournure un peu plus intrigante que j'aurais cru. Enfin, au nord, on va. Donc, est-ce qu'ils ont été tués, les deux jeunes filles? Violées et tuées? On est proche. C'est ça? Ah, c'est ça. Les codes, c'est toujours la même chose. 1, 2, 3, 4. Two forks, Bruce, must be. Two forks, c'est moi. Signalé, retour au bercail. Ok, j'ai pris tout ce qu'il me faut à table maintenant. T'as juste pris ton paquet, hein? Tu me prends pour qui? On va retrouver les corps nus et découper en petits morceaux. Un autre de mes fantasmes. Tu es... aux premières loges pour ce qui est peut-être le plus grand feu de forêt. Ah ouais. Il est vraiment violent. Je vais signaler. Ils vont envoyer une équipe de spécialistes pour l'éteindre, mais je parle qu'il va durer tout le reste de l'été. Paris, plutôt. Et il n'a pas encore de nom. En général, j'essaie de leur trouver un petit nom marron, ou pratique, ou même un peu connoté. Mais vas-y, toi, propose-moi quelque chose. On devrait peut-être l'appeler le paltoquet, tu peux faire passer ça? Tu adores vraiment ce mot? Ouais. Je te l'ai dit, c'est marrant ce mot. Très bien, va pour le paltoquet. Ils vont sûrement me demander si c'est un accident de cuisine, un réchaud ou je ne sais quoi. Tu sais qu'il y a une rivière au pied de la colline? Tu veux que je te dise ce que j'adore faire? Le paltoquet. J'adore prendre une bouteille de ce que je sais sous la main, et peu importe, la plonger dans l'eau et la laisser refroidir toute la journée. Et quand il fait nuit, et atrocement chaud comme ce soir, j'ai quelque chose de bon et frais à boire. C'est ma sœur de Santa Fe qui m'a appris ça. Elle fait ça avec une bouteille de tequila près de la maison, et ses margaritas sont grosses comme sa tête. Je n'ai pas de bons souvenirs avec le tequila. J'ai pas trop envie d'en recommencer. Eh bien, il faut peut-être juste une nouvelle expérience positive avec. Ouais, peut-être. Tu es en train de regarder l'incendie? Ouais. J'adore les regarder la nuit. De jour, on ne voit que de la fumée, mais une fois le soleil couché, le spectacle est saisissant. Ouais, t'as raison. Je suis content que tu sois là. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est vrai, je suis pas folle. On a passé un bon moment, non? Ouais, je crois. Je ne parle pas aux autres guetteurs autant qu'à toi et pas de la même manière. Et je sais que tu n'es pas vraiment disponible, mais je voulais que tu saches enfin. Ça pourrait être sympa de se voir à la fin de l'été. On n'est pas obligé de prévoir quoi que ce soit, ni même d'en parler. C'est juste une idée comme ça. J'ai envie d'être avec toi. Hein? Moi aussi.
On pourrait s'asseoir dehors. On pourrait parler sans les radios. On pourrait, tu vois. Je pourrais mettre quelque chose dans la gorge. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, je vais te le dire. Elle va mettre quelque chose dans sa gorge. Elle va mettre quelque chose dans sa gorge. Elle va pêcher sans permis? Juste un poisson, j'en ai marre des trucs qu'on nous file à manger. Je ne dis à personne que tu braconnes. Ça me rappelle que les gars du service de chasse et pêche m'ont plusieurs fois signalé un ours problématique qu'ils essaient de retrouver. Tu pourrais chercher des empreintes récentes dans la zone du lac. Il y avait une équipe qui brûlait les lignes d'arrêt à l'est. Je crois que ça peut énerver les animaux. Qu'est-ce qui est problématique est un euphémiste? Ça veut dire meurtrier dans le sens Charles Manson, le gourou problématique. Oh, allez, tu dois juste chercher des traces et tout. Je ne peux pas croire que je vais finir digéré par un ours. Merci, Henry. Ouais, c'est ça. Si tu cherches la forêt, nanana. Elle est où la rivière? Déposer. Ok, faut que je vois par là pour aller au lac. Parfait. Cours, forest, cours, forest. Forest, cours. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu penses qu'elle voulait dire? Ah, c'est ici, les filles. Il y avait des soutiens-gorge à terre et des petits... Qu'est-ce qui fait ce bruit-là? Quoi ça? Quelqu'un a laissé un bloc-nox ici. Ah, c'est peut-être quelqu'un du service de chasse et pêche. Regarde, il y a pas un nom ou une adresse pour que je puisse signaler. Qu'est-ce que c'est? Oh putain! Qu'est-ce qu'il y a? T'es quand même tombé sur quelqu'un? Quelqu'un a écrit tout ce qu'on s'est dit, nos conversations. Je ne comprends rien du tout. Je ne parle pas aux autres guetteurs autant qu'à toi et pas de la même manière. J'hallucine. Attends un peu. J'entends un bruit. Henry, je me fais du mourant. Tu n'as pas mangé des champignons que tu as trouvés, j'espère. Ils peuvent faire passer un bon moment, mais aussi avoir l'effet inverse. Quoi qu'il en soit, fais-moi signe, OK, cowboy? La canne à pêche a disparu. Putain. What? Henry, are you there? Henry, t'es là? What happened, Henry? Qu'est-ce qui s'est passé, Henry?
Bordel de merde, je me suis pris un coup sur la tête, un coup de poing ou je ne sais trop quoi. C'est une blague, bon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici? J'en sais rien, bordel. Laisse-moi résumer. Tu as trouvé un bloc-net avec quoi? C'est des transcriptions de conversation? Il y avait quoi d'autre dessus? J'en sais rien, il a disparu, tout comme la radio que j'avais trouvée. J'aurais très bien pu me faire tuer. Putain de merde, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la Wapiti Station? Aucune idée? J'ai vu le nom Wapiti Station juste avant de me faire assommer. Le nom Wapiti Station te dit quelque chose? Il s'agit peut-être de Wapiti Meadow? C'est indiqué sur nos cartes, ça se trouve pas très loin. Ça se situe au nord du lac, tu devrais trouver un sentier quelque part à la rive nord. Ok, je me mets en chemin de ce pas, punaise, ce matin. T'es sûr que ce que t'as vu, Henry, c'est peut-être fait chier d'autres campeurs? Ils sont revenus t'attaquer en loup cédeur. Et pourquoi j'inventerais ça? Au pire, c'est un mensonge débile. Et au mieux, une blague de merde. Et est-ce que ça va? Ça va bien. Ok, désolé, je crois, mais on a eu cette conversation il y a 2 semaines. Je sais bien. Si ça se trouve, ils ont des transcriptions qui remontent à 3, 4, 5 semaines. Notre relation depuis le début, notre amitié, toute notre été. Il y a quelqu'un dans les environs avec un talkie-walkie qui prend les notes et qui parle à Dieu, c'est qui? Je vais aller chercher les réponses sur place. Super, garde la tête froide, OK? Ne fais rien d'insensé, quoi? Comme prendre un boulot au milieu de nulle part, sans le moindre moyen d'échapper à la chose? Je parlais plutôt de ne pas tuer qui que ce soit. Pas de souci, chef. Elle voulait passer un beau moment à regarder les étoiles. Chris, il m'a surpris, hein? Putain, qu'il m'a fait peur. Wapiti Station. Moi, je suis où présentement, là? Au lac. Où je vais complètement vers le nord. Par là. Hey, ce jeu-là est beaucoup plus intriguant que je croyais. C'est quoi le... Je marche à travers le canyon? Par où est-ce que je peux accéder? Tu devrais trouver un sentier quelque part sur la rive nord. John C. en direction de l'ouest. Merci. Je suis pas à bonne place, là. Il faut que je continue tout droit, puis je tourne à gauche après. À moins que je peux tourner avant, mais on verra. Hey, Vinci Sensei, comment ça va? Merci pour le follow hier. Salut, j'ai appelé tout le monde. Apparemment, tout est normal. Tu n'as rien remarqué de bizarre de ton côté? Non, rien d'extraordinaire.
Rien d'extraordinaire ou rien? Rien. Ma porte était ouverte l'autre soir, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Pour moi, ça n'a pas rien. C'était rien, je te promets. Garde ta radio sous la main. Est-ce que tu viens de dire au sujet de ma radio? Ouais. Avant de me faire attaquer, j'ai vu une radio par terre, comme la mienne. Et? Est-ce que tu crois que quelqu'un aurait pu, tu sais, Je vois pas quoi. Me suivre partout, en travaillant en équipe avec d'autres gens. Regardez, désolé, tu piques un trou pour intéresser au milieu du crime. Il y a quelqu'un qui est capable de nous écouter et qui m'a cogné près du lac, c'est clair. Je crois. Mais admets-le, que tu flippes un peu. Bien sûr, j'ai peur, mais il faut qu'on essaie de rester calme. C'est pas le moment de se disperser. Disserper, plutôt. Tu viens, Vinci, t'as terminé le jeu. Tunique. J'arrive à rejoindre ton Discord, ça m'affiche impossible d'accéder à l'invitation. Ah, tu l'as fini? T'as attrapé tous les coffres, là, les 20 coffres? Impossible de rejoindre, ça m'a fait impossible d'accepter l'invitation. Faudrait que je vérifie ça. Je n'utilise pas trop Discord de toute façon, là. Mais il existe encore, me semble. Est-ce que tu as réussi à tuer Ouais, ça, les pages du manuel, je les ai toutes trouvées. Les coffres, j'en ai trouvé une bonne couple. Ma question était... As-tu réussi à tuer l'héritière, là, l'autre... Ah, tabarnak, j'ai dépassé le chemin. L'héritière, là, la fantôme, le renard. Ah ouais? Moi, je m'ai battu contre elle, je l'ai tué une fois, puis après ça, il fallait la retuer. J'étais comme ma voyant dedans. J'ai un instant, j'essaie de voir ce que je suis, là. Et mais c'est pas là que je veux y aller. Je suis en train de m'éloigner, tabarnak. Je reviens sur mes pas. Ah non? Non, c'est un... Il faut envoyer sur elle plein de petits renards qui servent à leur... Oh, l'héritière. Ouais, je réussis à la battre une fois, j'étais yes, je l'ai battu! Elle réapparaît, j'étais comme ben voyant, tabarnak. J'avais plus rien, c'était sûr qu'elle allait me sacrer une volée. Là, j'ai encore passé tout droit là. Faut-tu que je monte en haut? Faut que je monte en haut puis je sauterai là. Je pense que c'est ça que c'est. Ok, ben monte en haut.
Mais si je monte en haut, je peux pas... Tabarnak! Hurler comme un loup. Tu joues sur une console, toi? Oh. Putain. Avec quoi ton prochain jeu maintenant? Ah, t'es sur PC, toi? Le jeu Tunic, tu l'avais acheté ou tu l'avais sur le Xbox Game Pass Ultime? Je sais plus quand, je sais pas encore ce qui se passe, mais j'ai un mauvais pressentiment. J'ai horreur de me sentir vulnérable. C'est pas comme si on pouvait appeler la police. Je ne pensais au Goodwin. Je me disais que si un truc pareil leur est arrivé, ils étaient arrivés bien, Brian, il aurait dû être terrifié. Je suis sûr qu'il va bien, Delia. Tu ne crois pas que lui ou son père aurait dit quelque chose s'il leur était arrivé quelque chose? Je ne sais pas, Ned était un peu bizarre. Personne n'est bizarre à ce point. Quand tu entends quelqu'un dans les buissons et quand t'assommes dans le noir, tu mets pas longtemps à passer un coup de fil. C'est ça. Brian va bien. J'espère. C'était il y a 3 ans. Il est au lycée maintenant. C'est les vacances d'été.
right, I'm here. And what are the odds they left the gate unlocked? Pretty low, I'd imagine. Look, I'm not gonna be able to get into this place. Parle là-dedans. Mais je sais pas combien de temps je vais pouvoir rester faire le camp ici avant de me faire repérer. Bon sang, si c'était pompier, tu aurais défoncé la porte à deux, trois mouvements. Et les mecs changer le feu de contrôle pourront peut-être t'aider. Ils sont où? De l'autre côté de la Ruby River, il y a un camp de scout là-bas et il y a quelques jours, ils ont brûlé une ligne. S'ils sont encore là, ils sont sûrement prêts à t'aider à franchir cette clôture. Où ces gars-là, tabarnak? Oh, tabarnak, ils sont bien loin. Le sud de Ruby River, c'est là, tu sais, ouais. Moi, je suis là. Faut que je marche jusqu'à là. Putain, je l'ai choisi, moi, le temps pour faire le tour de la planète. On a encore pour 10 minutes à courir toute seule. C'est pas plus. La grotte va être à droite bientôt. Ugh.
Bon. On s'en va tout droit. Peut-être par ici, on va avancer un peu, on va regarder. Semblerait. Bon, on copie la carte. Si seulement les autorités pouvaient nous obtenir des radios, moi, à chier. En général, je m'en tiens à l'écriture, mais là, ce serait chouette de pouvoir te joindre directement de temps en temps. Ma sœur arrête pas de me laisser des messages au bureau principal, mais je crois qu'elle n'a pas compris que j'avais accepté ce poste pour m'éloigner un peu d'elle et de ma mère. Ça fait un petit moment que je suis là à réfléchir à quoi lui dire. Mais j'ai surtout descendu un quart de ma bouteille de Fifive. Tu me manques, Dave. Terence L. Greenbrier? Hey! C'est le livre qui est dans un autre de mes jeux, ça! Je suis en train de jouer présentement. Ben, fuck it, ça. Bon. Trouver les pompiers dans l'ancien camp de scout après les feux contrôlés. Bon, j'ai trouvé l'endroit où ils ont déclenché un feu de contrôle. Je peux passer directement. Habituellement, ils n'en sont pas ça auprès de... L'étendue du dos, mais je crois qu'ils sont particulièrement inquiets d'un feu traversant la rivière et remonte jusqu'au tout fort maintenant que le poste est prêt. Eh bien, je leur suis particulièrement reconnaissant. Voyons voir le camp scout se trouve au sud-est de la rivière. Tu devrais apercevoir une mare sur le chemin. OK. Il y a des vieilles motos, neige par ici. C'est fou. Un de ces types s'est retrouvé coincé en voulant traverser cette mare, on dirait. Le retour à la civilisation a dû être dur. Il y a une vieille mare par ici, pas beaucoup plus grande qu'une flaque de boue. Est-ce qu'elle est indiquée sur la carte? Ah, je sais où tu es. Je suis à où alors? Point
année, il y avait un panneau avant, mais les gens passaient leur temps à la voler. Parce que son nom signifie mare au cochon? C'est un excellent nom. Ce panneau aurait fière allure dans un bureau ou n'importe quel d'autre. Allez, on continue. Elle n'a pas encore été là pour le camping. Quand Arapaho. Tu y vas? Ouais. Elle était construite dans les années 50. J'ai jamais été fan de secouristes. Yes. Rien que des idées façon d'une bande de jeunes garçons autour d'idées. Attention aux éclaireurs, un grand nombre. Attention que ce soit un grand nombre. Ah bah ouais, il parle trop vite. Impossible de traverser ici, pas un cassé. Toujours quelque chose qui va pas, hein? Je vois plus loin ou plus à gauche? Bon, on va aller plus à gauche pour voir ce qu'on peut traverser parce que là on peut pas. À droite, ça n'a pas de l'air fonctionner. C'est ici là. Comment ici je peux sauter? Peut-être pas. Chris, descends là, puis on remonte, tabarnak, c'est pas un ravin. Bon, je pense que c'est là. Ça t'arrive de parler à certains des scouts? Non, ça fait un moment qu'ils sont pas venus. En général, j'ai pas grand chose à dire à ces préados. Sauf dans les cas de Brian Goodwin. Eh bien, si j'ai pas le choix, je peux faire la conversation avec n'importe qui et au plus m'amuser assez de l'entendre parler de ses passe-temps. Il y a quel type de passe-temps, ce geek? Il faisait partie d'une fanfare, peut-être? Non, il aimait les bandes dessinées, les modèles réduits de fusées, magiciens et vouvres. Yark. Et grâce à Brian, je me souviens par cœur des classes d'armure de la plupart des dragons. Et quoi? Je ne crois pas. Alors, commençons par la classe d'armure des dragons planétaires. Ok, je ne crois en fait, c'est bon. Je
C'est sûrement dans les petits abris qui hébergent les éclaireurs. Depuis 35 ans, ouais. Oui, le point de l'ancien scout après les deux quand les feux de contrôle. Bon, les pompiers ont enlevé le camp. J'ai trouvé l'endroit où ils étaient assis avant. Merde. Une lettre. Ils ont laissé quelque chose derrière eux. Ça sent mettre un mémo de leur chef. Il y a quelque chose d'intéressant dedans. Au cours des prochains deux jours, l'hélicoptère dans la région de Torofar rapporte du Dr. Simons à Wapiti Station. Wapiti Station? Bordel de merde. Continue. On me dit que juste que j'allais peut-être m'arrêter là pour laisser... Ma mère m'a toujours dit que de rencontrer quelqu'un qui me dit ça. C'est un site de recherche qu'il y a là-bas. Ça s'inquiète des feux de forêt. Quelqu'un note toutes les conversations et maintenant on apprend qu'il y a un site de recherche par ici. Sur quoi peuvent bien porter... La recherche. Je crois qu'il m'étudie. À cause de ton passé, de ton histoire avec Julia? À cause de Julia? Ouais, ils étudient peut-être les effets d'un truc comme ça, le chagrin qu'on éprouve quand on se retrouve inévitablement seul face à ses pensées. Donc, ils ont installé tout un seul rien pour toi? Peut-être. Oh. Je pense qu'on devrait pas écarter la possibilité que tout ça ne soit qu'un terrible malentendu, mais si t'as vu ce que t'as vu, putain, Henri... Ouais, c'est ça que j'ai vu. Ah, ok. Alors, c'est quoi la suite? Je vais voir s'il n'y a pas de matériel qui traîne pour m'aider à traverser le ravin et nous rendre au site. Bonne idée. Donne-moi des nouvelles dès que tu peux. Et vérifie bien que tu n'es pas suivi. Dans le prochain jour, vous et votre équipe serez largués à la région de Torofar, dans la forêt nationale de Shoston, afin d'aménager une tranchée par feu au sud de Ruby River. Je vous écris de la part du Dr. Ben Simon de Wapiti Station. Il a pris contact avec mon supérieur car il craignait que son site de recherche ne soit des proies des flammes. Après, dès votre retour à son bureau pour vous contacter, pour mettre en place une évaluation des risques d'incendie dans la région, je leur ai dit qu'ils n'avaient rien à craindre, car les pare-feux de votre équipe sont le moindre... De loin, la meilleure mesure de prévention et protection de leur site, même s'ils se trouveront à plus de 2 km. Mais j'imagine qu'ils doivent tenir compte des inquiétudes manifestées par leur assureur. Encore merci de votre aide. Une hache. Bon, la hache, ça va m'aider à passer au travers, ça. Tiens, comment tu vas, toi, femme? Ça manquait un bon jeu, j'ai commencé aujourd'hui, là. C'est pas mal mieux que lui d'hier. Mais sais-tu qu'est-ce qui est bizarre, là? T'as tombé endormi hier ou quoi? Ça va, merci. Le jeu t'a pas gardé réveillé. Je suis surpris.
T'es là, j'ai une idée. Je t'écoute. T'as entendu quelqu'un dans les buissons? Ouais. Alors, il faut supposer qu'on est suivi, ou que tu l'es, du moins. Où est-ce qu'on est en ce moment? Le chemin du retour, je traverse les bois par ici, par là, un beau milieu de nulle part. Est-ce que tu vois quelqu'un dans les parages? Non, il n'y a pas d'âme qui vive. Alors dis-moi ce que tu penses de ça. C'est toi qui viens de tousser? Non, c'est pas moi, c'est pas toi non plus. Non. Oh putain. Il pourrait pas que quelqu'un, un autre guetta par exemple, soit sous cette ligne? Non, pas sans nous mettre sur écoute. Reste dans ton poste, ferme la porte, ne sors pas, et n'utilise pas la radio. Je t'appellerai, compris, je t'appellerai. Tower Tower, ici Two Forks, j'appelle pour la cinquième fois aujourd'hui. Le Paltoquet continue de progresser vers le sud. Et là, la bordel de merde, décroche ta radio. Salut mon beau, désolé, j'ai dû m'absenter deux secondes. En quoi que je puisse t'aider? Alors c'était tout pour l'aventure du jeu Firewatch sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!